Et nut nut YouTube. Excusez-moi, je me suis planté, voilà, c'est mieux. Nut nut YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Alphoris, petit gamer manchot à votre service. On est sur l'épisode 10 de Trials of Mana, et on vient donc d'arriver au château de Forsena qui se fait attaquer sauvagement. Donc on va juste regarder si on est bien équipé de partout, et on va y aller à fond. Alors il y a toujours l'accessoire lapin, mais c'est jusqu'au niveau 10, donc ça ne sert plus à rien. Donc du coup on est bon ici. Je suppose qu'ici aussi il me semble pas qu'on ait, qu'on ait rechopé de trucs. Et ensuite on va gérer tout ça. T'as la bagbille toi, oui c'est vrai. Ici on est bon également je suppose. Et tout à fait le faisant. Ok. Donc du coup let's go. Allons nous charger de ce satané sorcier pourpre. Et des mages d'Altena. On va juste sauvegarder parce que du coup je l'ai pas fait. J'ai juste fermé et rouvert l'enregistrement. Hein. Du coup, ça va être un peu mieux. Mais regardons un petit peu partout où on peut aller. What the fuck is that? Oh, des golems. Oh, le retour des golems. Oh, je vais détester ça. Alors après, ils sont un petit peu moins forts que ce qu'on a eu tout à l'heure. Pas tout à l'heure. Plutôt la dernière fois, on bosse les deux golems. Chocolat, merci. Oh, c'est le boxon. Ah merde, je me suis fait bloquer par l'autre. Ok, on est bon. Je m'étais fait bloquer par l'autre. Là, il y a un truc à choper. Des bonbons. C'est toujours bien, les bonbons. Ok. Alors, je vais juste faire le tour de l'autre côté, du coup, puisqu'on a fait ce côté-là, pour voir ce qui s'y cache avec. Parisit, Mersit. Parce que là, forcément, il n'y a eu personne pour nous donner quoi que ce soit, hein, donc... Allez. Et j'ai retrouvé le combo de dégâts de zone. Je suis plutôt content. Parce que bon... C'était mignon, tout ça, mais... Le combo de dégâts de zone, quand même, c'était plutôt cool comme idée. Raté. Ok, c'est bon. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. Par contre, il y avait vraiment rien d'autre de caché, quoi. Mis à part ouais, le petit pot là-bas et... Olé. On est bon? Merci. Oh, il n'y avait rien dedans en plus. Oh, c'est chiant, lit. Par contre, ce combat-là, je le sens tellement pas. Oh là là, oh là 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 là, oh là là. Oh là là, la vache. Alors attendez, là. Là, on va faire les choses bien, hein. Alors vite, 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 il faut que je change de perso. Nope. Guérison, s'il te plaît, déjà sur lui. Parce que sinon on va pas s'en sortir. Sur du rang. Et voilà. Ok. Ouh. La vache. Ce combat était pas le plus simple. Mais c'est passé. Mais c'était quand même très très limite, je trouve.
Du coup, on va en profiter pour reprendre un petit peu de magie, voilà, de PM. 200, c'est peut-être un petit peu beaucoup. On n'a pas moins. Ah non, on n'a pas moins. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Ok, il n'y a rien d'autre. Alors allons dans le château. On va voir ce qui va s'y passer. Ah ah. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ouh. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Oh la vache! Alors attendez, on va s'amuser un petit peu du coup. Puisqu'ils veulent jouer. Non mais, jouons! Nice! Parce que là, c'était pas possible. C'est juste très très chiant ces trucs là. Ok, regardons un petit peu partout. En sachant qu'on va avoir vraiment énormément de choses à gérer. Oh, chouette, des coffres! On les avait pas vus ça à notre premier passage. Alors regardons aussi un petit peu ici. On a une statue pour sauvegarder, c'est en haut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord passer en bas. Oui, je sais, c'est pas logique comme ça, mais... Ah! D'accord. Ok, ici on peut passer. Salut! Non, c'était pas ça que je voulais. Bah oui, oui, forcément. Ah non! Recommence pas! Ouais, le Elgato a décidé de faire de la bouse, hein. Clairement, je suis désolé. J'espère que vous aurez pas de problème, en fait, sur le recording vidéo. Moi, j'en ai pas des masses, mais il y en a quand même un petit peu. Et j'ai pas très envie de vous faire de la merde. Comprenez-vous? Oui, d'accord. C'était du décor. Et là, il n'y a rien. On a un peu du mal des fois à dire ce qui est du décor et ce qui n'est pas du décor. Hein. Bah. Voilà, d'accord. Bah meurs. Ben voilà, merci. Ouais, alors excusez-moi, on va relancer à nouveau, hein, parce que comme vous le voyez, c'est un peu la merde. Allez-y. Je sais pas pourquoi, hein. C'est... voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, voilà, ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Ah oui, d'accord, c'est parce que, en fait, les portes sont... Ah, ok. Donc en fait là, est-ce qu'on pouvait passer au milieu? Oui, maintenant ils sont revenus forcément, mais... Non, on pouvait pas passer au milieu. D'accord, donc on est obligé de passer comme ça. Il y a bien quelque chose pour péter tout ça, c'est pas possible. C'est pas possible, parce que là on peut pas passer. Donc il faut qu'on fasse le tour par en haut, par de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Nope. Ok. Alors allons voir ici avant de passer à la suite tout de suite. Ok. Ah. Voilà. 160 PO. Ok. Et c'est tout. C'est déjà ça de gagné, hein, on va dire. Allons à la petite sauvegarde. Parce que la suite, ouais, ça sent la merde la suite. Ça sent bien la merde la suite. Il y a encore des golems. Avec tout le reste. Puis ils sont nombreux. Alors on va commencer direct. S'il te plaît.
Ah oui, mais là pour l'instant, effectivement, on peut pas faire du full full quoi. Là. Voilà, ça, ça aide bien. Nope. Voilà, comme ça, il ne nous reste plus que lui. Nice. Alors, on va juste se soigner. On va pas sauvegarder, on va juste se soigner ici, si c'est possible. Sans que ça fasse repopper les ennemis. Est-ce que c'est possible? Oui. Ça marche. Alors, regardons dans les trucs à côté. Ok. C'est un très bel endroit. C'est très sympathique comme endroit. Mais c'est pas ça. En face. Il y a un coffre. Bande de petits coquins de développeurs! Je m'en doutais! Et voilà. Et là, ça va être la merde.動けまい。いかに英雄をといえど、魔法で動きを封じられてしまっては、どうすることもできないだろう。やはりアルテナのグレンの魔導士か。なぜバルダは、いや、断りの女王はフォルセナを攻める。世界中のマナストーン占領のため、フォルセナが邪魔になる前に潰せとのご命令だ。いつまでも。 過去にはこだわらないと申されていた。そうか。残念だ。聞きたいことはそれだけか。うん。了解。では死ね。待て。ほほ。いつかの小僧か。覚えておくぞ。また会おう。 Mouais. C'était pas trop ce qui était prévu à la base, hein. マナストーンのそばにいるという精霊たちを探しています。マナストーンの場所を教えてください。フェアリー、そうか。お前たちがかつて竜帝との対戦の時にもフェアリーを見たことがある。実はわしもフェアリーに選ばれし者だったのだよ。あは。残念ながらそのフェアリーは。 わしを残して竜帝にやられてしまったが、こうして再びフェアリーが現れたということは、世界に危機が迫っているようだな。 Oui, ça on avait appris, merci. On s'en doutait un peu。マナストーンは世界に8つ存在する。それぞれ土、水、火、風、光、闇、月。 木の8元素を生み出しているといわれている。マナストーンの近くで、それら8元素に属した精霊たちを見つけられるだろう。光の精霊、ウィルオービスプと、土の精霊ノームは見つけました。ジース。残りは6つか。 商業都市バイゼルから船でパロに渡れ。山岳地帯ローラントには風のマナストーンがあるはずだ。わかりました。必ず見つけてきます。残りのマナストーンを探すためには風の精霊ジンの助けが必要になるはずだ。ジンを見つけたらまた戻ってきたまえ。頑張れよ。 Et c'est ainsi qu'à peine arrivé, nous devons déjà repartir. C'est magnifique. Par contre, je n'ai toujours pas ma classe, en fait. Ça m'emmerde un petit peu. Comment vous dire?
Je vais ouvrir une petite page web pour savoir si c'est normal ou pas, parce que franchement, je trouve ça étrange. Voilà, on va rester là 2 secondes. Je trouve ça extrêmement étrange qu'on n'ait toujours pas pour le moment ce qu'il nous faut. Donc on va chercher un guide Trials of Mana très rapidement et je vais vous dire ça tout de suite. Trails of Mana. Merci, remake, hein, bien évidemment, ça va de soi. Voilà le guide complet d'Actu Gaming, bien évidemment. Et ça, on va être bien. On va être très très bien. Quel personnage choisir au début? Je suis sûr que j'ai mal choisi. Comment revenir à une classe? Comment changer de classe? Comment obtenir des graines? Comment passer en classe, tout simplement, s'il vous plaît? Alors, je regarde un petit peu, en sachant qu'on aura que les trois là tout le long de l'histoire. Ouais, alors apparemment... Voilà, le conseil, c'est choisissez celui qui vous plaît. Bon, bah ça, c'est cool. Sinon... L'une des 8 pierres de mana. D'accord, c'est aux pierres de mana. Et donc du coup, comment est-ce que j'ai la première classe en fait? Remplir, trouver les compétences partagées des PNJ, trouver les emplacements de petits cactus, comment réessayer ses points d'évolution, comment revenir à une classe précédente. À la limite, je peux regarder ça pour voir. Bon, c'est pas écrit sur Actu Gaming parce que ça doit être, je pense que ça doit être directement en vrai sur le truc de base. Désolé, hein, je regarde, mais j'ai bien envie de savoir en fait. Ah, ça m'emmerde parce que je n'ai pas de classe et ça m'emmerde un peu en fait, je vais pas vous le cacher, hein. J'aimerais bien savoir. Alors attendez, on va augmenter quoi ici? Il a la résistance à fond, donc on va augmenter la force, comme ça c'est fait. On va en profiter, hein, pour faire en même temps. Ok, il n'y a personne d'autre qui a monté de niveau. À mon avis, c'est en route pour Wendell, bien évidemment, et c'est là qui te dit en fait c'est là que tu pouvais changer de classe, mais tu es trop con. Blablabla, la grotte de la cascade, blablabla. Non, apparemment... Mais non, apparemment c'est pas tout de suite. Apparemment c'est pas tout de suite. Mais en tout cas, on est bien avancé. Hein. En vrai, on en est à la 5e partie sur 13. Je pensais pas qu'on était aussi avancé que ça. Mais j'aimerais bien savoir quand même. J'aimerais bien savoir. Excusez-moi, je cherche un petit peu, je vais pas chercher des masses. Je vous rassure, au bout d'un moment, j'arrêterai de chercher. Mais là, je veux savoir. Astuce et guide, oui, c'est bien, mais si on peut avoir, en fait, le truc simple de... Hé ! Si tu vas là-dessus, bah en fait, t'auras ce qu'il faut. Merci. C'est pas ça que je veux. En plus, ça c'est même pas le remake. On va pas faire Guild Trials of Mana, on va faire Trials of Mana classe. Je pense que là on devrait trouver quelque chose. Classe guide.
Et voilà. D'accord. Voilà, comment changer sa classe? C'est ça que je voulais savoir. Ah d'accord, donc c'est level 18. D'accord, c'est pas maintenant. D'accord, c'est pas maintenant. Ok, ben bah on a la réponse. Donc du coup, c'est level 18 et puis après on a la classe 4 par la suite. Donc on va pouvoir le mettre paladin, le petit Durant. Ça va être plutôt cool. Enfin Knight, Paladin, Lige et Divine Hero, pour être plus précis. Ensuite on pourra mettre Kevin. Alors il faut qu'il tape fort. Donc apparemment c'est Brawler, Fatal Fist, Enlightened et Annihilator qui sera le best. Enfin le best, selon moi, hein. Et bien évidemment, on va faire en sorte que notre petite Charlotte devienne prêtresse, eau claire, sage et haute prêtresse. Ce qui fait que du coup, elle sera une grosse soigneuse. Donc il y a une forte rejouabilité du jeu, hein, puisqu'on ne rencontrera pas les autres personnages qu'on avait. Et ça, c'est plutôt cool. Ok, donc maintenant, il faut qu'on trouve un moyen de retourner. On va de sauvegarder déjà pour commencer. Et d'aller à Bizerre. Oui, sauvegarder la partie, merci. Voilà. Du coup, 22 minutes. Est-ce qu'on va avoir le temps d'y aller? On va voir. Je viens de conduire quelqu'un dans la cour pour installer un nouveau canon. C'est normal de renforcer les défenses du... Ah oui, d'accord. Maintenant que j'y repense, ce type a parlé d'aller jusqu'à Maya. C'est un peu comme s'il s'imaginait lancer des gens plutôt que des boulets de canon. Ce qu'il faut pas entendre. Si, prépare-toi parce que c'est ce qui va se passer. C'est bien évidemment ce qui va se passer. D'accord. Ah, putain. D'accord. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faudra? Attendez que le canon soit terminé. Donc il faut que j'attende plusieurs jours, je suppose. Donc il faut que j'attende plus loin. Youpi. C'est... Ouais, ok. Bon, on va faire quelques emplettes, hein. On va se préparer à ce qui va nous arriver par la suite, je pense. C'est ce qui sera le mieux. Et donc du coup, bah, je pense que je vais pas le faire maintenant. Parce que c'est un peu chiant, en vidéo, en fait. Donc on va pas le faire maintenant. Donc du coup, je le ferai à la prochaine vidéo. C'est-à-dire en live. Et si vous regardez cette vidéo, normalement on est jeudi, donc ça veut dire samedi. Voilà, c'est ça. Samedi à 17h30 sur le Twitch, vous avez le lien juste en bas. Et vous pourrez bien voir ce qui se passe sur Trials of Mana. Sur ce, merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve du coup, et ben nous, pour l'épisode 11, hein, YouTube bien évidemment, ou sur Twitch bien évidemment aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et des commentaires. Et à la prochaine. Bye bye. S'il veut bien.